Bonjour à tous. Voilà, le micro fonctionne, c'est bon. Excusez-moi. Bienvenue, soyez les bienvenus. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit check-up, voir si ça me passe sur Twitch. Voilà, c'est un peu le retour casque. Hein. Ça va un peu fort. Alors attendez, je fais juste un petit contrôle sur Twitch voir si c'est bon. Je fais juste un petit contrôle sur Twitch voir si c'est bon. Le micro paraît assez bas, bon on verra bien. On verra au fur et à mesure. Voilà, allez, c'est parti! Alors, est-ce qu'on est bon ou pas ici? Ça me paraît correct. Le micro, ici, je vais voir un peu si je peux pas le monter un peu. Voilà. On va remonter un peu, peut-être un peu ici. Voilà, est-ce que je... Non, ça va, il sature pas. Allez, c'est parti. On y va, les amis. Je sais plus ce que... Je sais plus ce qu'il fallait faire. Là, on est sur la mission... La Marina, je crois, ça doit être ça. Ouais, la Marina, il me semble. Alors, prendre le fusil... le pistolet avec le silencieux. Ah, ici, on peut récupérer quelque chose. On va en profiter. Pour pouvoir crafter un peu, non? Voilà. D'ailleurs, on se retrouve dans un genre de restaurant. Oh, j'ai même pas de vie en plus. J'ai presque plus de vie. Alors, je regarde encore un peu pour mes touches. Toujours le même problème, c'est au niveau des touches. J'ai tendance à les oublier. Ah, j'aurais pu fabriquer un surin. Ah ouais. Ah, peut-être dû plus fabriquer du surin plutôt que de prendre ça. Réparer mon pied de biche. Bon, bah c'est pas grave, c'est trop tard. Le choix est fait. Je vais essayer de mettre ça autrement. Ah, s'il n'y a pas de perte d'image, non, ça a l'air d'aller. Voilà. J'espère que la caméra passe bien. J'ai pas un retour complet. J'ai juste le retour son. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? C'est quoi là-bas au bout? Ok. Alors, j'ai l'arbalète aussi également, mais je l'utilise jamais, hein. J'utilise jamais l'arbalète, hein. C'est bien un truc que j'utilise pas. Je vais essayer de la prendre, on verra bien. J'ai qu'un kit de soins, ça a pas, c'est pas top, hein. Franchement, c'est pas génial, génial. On va continuer à fouiller dans cette cuisine. Voilà. Quoi, la musique est un peu, dès le départ, elle est un petit peu stressante. Alors je suppose qu'il va se passer quelque chose. À mon avis, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai qu'avec l'arbalète, c'est pas. Je suis pas persuadé que je vais bien viser avec ça. Bon, voilà, je peux pas passer là. Non. Voilà, on va rester avec ça. On va peut-être passer comme ça ici, par ce côté-là. Comme ça par ici. Est-ce que je peux passer là? Non, même pas. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, le rideau, il a bougé, il me fait peur, lui. Le fameux rideau vient de bouger. Ah, j'ai perdu des follow. Bon, bah, c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Que voulez-vous? Cette musique est assez angoissante. Ok.
Pour l'instant, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de danger. C'est quoi là-bas? Dans le fond, côté gauche. On est dans un genre de restaurant en fait, hein. Voilà, c'est ça. On est dans un restaurant. Ah, j'ai pas vérifié si c'était bon au niveau de Twitch, si je suis bien dans le. Est-ce que je suis dedans? Oui, ça va, c'est ça. Nickel. Si je suis bien dans The Last of Us 2, il suffit que je le marque de pas de la mauvaise façon. Et je me retrouve au mauvais endroit au niveau de Twitch. Donc voilà. Ah, j'espère que je vais pouvoir récupérer des trucs ici. J'espère, j'espère. Oh, cette musique m'angoisse. Alors, il n'y a rien derrière le bar. Elle n'a pas grand-chose à. Oh, ici je peux pas passer. Pas grand-chose à récupérer. Ah ouais, il y a ici aussi. Ah, attendez, est-ce que je l'ai fait cette partie-là? Non, je pense pas. Hein. J'ai pas souvenir. Non, bah non, je l'ai pas fait. Je pense pas. Essayer d'explorer toutes les salles. Bon, là je suis nu, ça c'est sûr. On a quoi là-bas? Ça brille, on dirait, non? Bon, écoutez, pour l'instant, c'est pas top. On récupère rien du tout. En ayant un kit de soins, c'est pas génial, hein. C'est compliqué pour le reste de l'aventure. Non, il n'y a rien, on n'a rien, 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 rien. On n'a rien récupéré. Bon. Allez, on sort à l'extérieur. Ça a l'air d'aller. Pas de drop pour l'instant. Nickel. Allez, on va prendre un peu la pluie. Ok, superbe. J'avais pas vu qu'il était parti là, lui. Hein. Wow, ça va être chaud. Wow. Oh mince! J'aurais pu récupérer un sniper! J'ai failli mourir! Abby? Ouais. Beau travail. Et toi? Oui. Yara, ah ouais, c'est Yara qui s'est. J'avais oublié son prénom justement. C'est pas important. On retrouve l'Ève et on rentre à la marque. Allez! On va remonter un peu le retour casque par contre. Voilà. Allez, c'est parti pour un tour en bateau. Allez, on met la cam, voilà, j'espère que j'ai bien remis. Hein. Ils sont où? Il n'y a pas de garde? Non, ouais, ils ne viennent c'est pas de bon. sortir ici de l'île. Ah, hier, on a eu un super passage hier, j'ai vraiment, vraiment galéré à une partie en sortant de l'hôpital, il me semble. Hein. J'ai eu un moment de galère, je pensais que j'allais pas m'en sortir.
Mais vraiment pas. Oh, j'ai dû mourir au moins une dizaine de fois. Monsieur, je me faisais allumer c'est le bateau de Lev. Par un sniper. Il faut qu'on le rattrape. Voilà, j'en dirai pas plus. Tu sais où il va ? Plus les infectés. Autre mec se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin ? Un puant également, donc vous voyez, c'était... Merde. Et si on se fait repérer ? Ça, c'est assez dur. Personne ne nous verra. Monter un peu le casque. Ouais, c'est qu'il y a des variations de son. Il y a des moments où ça va très fort, il y a des moments où j'entends pas très bien. Allez, c'est parti. On va rester sur le silencieux. Un kit de soin seulement. Pas terrible, hein. Titi, salut Titi. Je me réveille au bon moment. Comment ça va Titi? Sois le bienvenu. Tu t'es réveillé au bon moment, exactement. Bah, ça fait plaisir de te retrouver. J'espère que tu vas bien en tout cas. Sois le bienvenu. On se remet un petit peu depuis cette semaine là, sur les lives, un petit peu au matin. Voilà. Il y a des changements. Il y a eu des changements. J'ai un peu plus de temps libre. T'es sûr que les wolves vont attaquer cette nuit? Avec le confinement, j'ai un peu plus de temps libre, donc forcément. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçu. Je profite de faire quelques lives, toi. Voilà. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oh, c'est pas top, hein. Au point où on en est. Pas trop top pour moi, Titi, hein. Voilà, c'est les raisons de mon absence également sur Twitch. Voilà, je sais pas, vous avez pu remarquer quelquefois, il n'y a pas eu beaucoup de lives ces derniers mois. Donc, santé pas terrible. On fait avec, c'est pas évident. Mais le moral est là, ça va, le moral est là, l'envie de streamer est tout le temps là, également. Donc on continue, on s'adapte, et puis on fait avec, quoi. Voilà, voilà, un petit peu les dernières nouvelles. Et on continue ce fameux jeu. Voilà, parce que j'ai quand même démarré depuis le mois de juillet. Et vu que j'ai eu des interruptions entre deux, bah, il faut que j'avance, hein, parce que ce serait dommage de le laisser comme ça à l'abandon, surtout un jeu comme ça. Ça serait vraiment, vraiment dommage de le laisser de côté. Donc, je prends encore une fois du plaisir dès que je m'y mets. Dès que je joue sur ce jeu, c'est un kiff total. Voilà, voilà. Si je fais un lag de 2 heures, je vois pas mes 2 heures passer. Voilà, j'ai des moments de galère. J'ai eu des petits moments de galère, là. Il y a un moment... alors, je sais pas si tu as fait le jeu. Il y a une partie un petit peu qui fait que j'en ai pris plein la tête hier avec un sniper. Je me suis bien marré. J'ai dû mourir au moins une dizaine de fois. Mais voilà, mais j'en dis pas plus parce que je sais pas si tu as fait le jeu pour pas trop spoiler. Donc là, on est avec Abby, hein. Voilà. Je pense que tu as dû le repérer. Oh. Ah bah c'est bien que ça va pour toi, Titi, surtout en ce moment. Pas évident, hein. C'est pas évident en ce moment d'avoir le moral, d'avoir. Voilà, d'avoir la pêche. Là, voilà, c'est pas facile. Il y a des situations bien compliquées avec ce fameux Covid. Que ce soit au niveau des études, au niveau du boulot également, au niveau du taf. Rien n'est simple. Voilà, faut rester prudent surtout. Mais protégez-vous, c'est important. Alors, ce sont que des paroles. Si mes paroles, malheureusement, ne vont pas faire grand-chose. Mais c'est bien de le dire aussi. Voilà. Parce qu'on peut attraper très, très, très vite le Covid. Hein. Moi, il y a une de mes filles qui l'a eu. Il y a 2 mois de ça. Donc, elle a eu le symptôme du Covid. Bon, ça va, elle n'a pas été obligée d'être hospitalisée. Et heureusement... Heureusement pour elle. Voilà, donc elle a été symptomatique, tout simplement, c'est ça qu'on dit, je pense. Abby, elle a dû rester isolée pendant 15 jours dans son appart. Voilà. Voilà, puis après, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de traitement bien particulier. Voilà. Il faut juste prendre des trucs pour faire tomber la fièvre. Alors, ici, une petite pièce de l'Ohio, je pense que ça doit être ça. Non, Idaho, bon, je me trompe. J'ai pour ton level, Titi. Ah, tu as fait le jeu, d'accord, mais je l'ai commencé en juillet, je l'ai pas, tu l'as pas fini non plus. Ah, tu l'as fini. Oh, excuse-moi. Oh là là, oh là, je lis pas bien le chat. Je dis des bêtises. Donc, tu l'as fini. D'accord. Bah, moi, j'aurais pu le finir bien avant. Hein. Forcément, avec mon état de santé, je l'ai mis de côté. C'est pour ça qu'il faut que je continue. Alors, à partir de la semaine prochaine, il y aura. Je vais essayer de voir un peu si.
Si j'ai encore envie de faire des lives, selon ça dépendra de moi, de tout, de ma santé encore une fois. Je pense que la semaine prochaine, ça sera un live au matin sur The Last of Us. Et puis après, ça sera sur Valhalla, voilà. Mais ça sera sur Xbox. Alors j'aurais pu le prendre sur PC. Mais pour juste une question de confort, et je sais que le jeu va durer très 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 longtemps. Les Assassin's Creed, généralement, on est à plus de 100 heures de jeu. Si on veut vraiment vraiment le terminer, donc je l'ai pris sur console, sur la Xbox. Je serai dans le salon, dans mon salon. Ma console est dans mon salon. On va essayer de streamer directement via la console. J'ai pas encore vraiment tenté à 100% de faire des lives comme ça. Si ça va, je resterai dans mon salon. Si ça va pas, je mettrai ma console dans ma pièce informatique. Voilà. Et je streamerai peut-être un peu moins, je sais pas encore, on verra. On fera des tests, je ferai des tests. Là, c'est peut-être demain, pourquoi pas. Ou cet après-midi. Oh, via la console. Waouh. Juste de vue. Je suis désolé. Mais il y aura beaucoup de live sur Valhalla, hein. Voilà. Étant donné que j'aime bien l'univers des Vikings, c'est un univers qui m'intéresse en fait. Déjà avec la série aussi, la série Viking. Je suis un grand fan de ciné de série. Voilà, déjà ça, j'ai adoré cette série là. Ah, on voit ses intestins. Bah, c'est pas beau. Regardez, on voit ses intestins qui... ses intestins sont... Ils sont en train de pendre. Regardez. Là, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas très beau à voir, hein. Ah non. Ah, j'ai cherché ma petite touche Stream Deck. Voilà. Je suis en train de la regarder en ce moment, Titi. Je suis au deuxième épisode. Je suis au deuxième épisode de Barbare. Eh, c'est pas mal, hein, franchement surpris. Belle petite découverte aussi de la série Barbare sur Netflix. Je suis en train de la regarder là. Ouais, je suis arrivé au deuxième. Hein. Voilà, au début, dès que tu commences le premier épisode, t'es pris tout de suite dans cet univers un peu dans le temps des Romains, de Rome, etc. Et je pense qu'à mon avis, ça va faire partie également de mes gros coups de cœur, cette série-là, Barbare. Alors, ils sont effroyables nombreux, se dépassent de loin ceux qu'on imaginait, le village fortifié. Patrouille fréquente et bien régulée. Avons recueilli plusieurs informations que prévu, rembourseront le chemin. Voilà, j'ai du mal à lire, désolé. Les écritures blanches comme ça, j'ai du mal à lire. Hein. On dirait que j'ai des problèmes avec ma vue. Alors, de retour au point de débarquement, avons trouvé notre bateau sabordé dans l'océan, complètement détruit. Ils savent que nous sommes là. Devons trouver un autre moyen de quitter l'île. Faut trouver un moyen de quitter l'île. Bon, je vais pas tout vous lire. Ouais, c'est pas mal. Franchement, Titi, c'est plutôt pas mal. C'est assez intéressant. Il faudrait que je te mette membre VIP aussi, Titi, j'avais oublié de le mettre. Attends, je vais te rajouter VIP. Parce que je crois qu'il y a un moment que tu me suis également. Je vais te faire des petits cadeaux, là. C'est vrai que, bon, ces derniers temps, j'ai pas été bien présent sur Twitch. Et je vais te mettre membre VIP. Parce que je pense qu'il y a un petit bail, un moment que tu me suis. Hein. Oui, c'est depuis 2016. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, il faut que je te mette VIP. Logique. Voilà, ouais, c'est obligé. Voilà, tout ce qui est personnes qui me suivent depuis un bail, je vais les mettre en VIP. Hein. Enfin, ça me paraît normal. Il y en a beaucoup qui ont quitté la chaîne. Il y a pas mal de gens qui ont un petit peu, on va dire, ont complètement abandonné la chaîne. Bon, que voulez-vous ? Par manque d'activité, peut-être, par manque de présence. Ça, c'est comme ça. Les gens, on peut pas forcer les gens à rester. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais te mettre en VIP. Alors, en principe, si j'ai pas fait de bêtises. J'espère que je vais pouvoir le faire. Comment on fait déjà? Je ne sais même plus. Je suis un mauvais streamer, vraiment. Hein. Je suis vraiment un mauvais streamer. Je ne sais plus avec ma mémoire. Je ne sais... Ah ouais, c'est ici, voilà. Alors attendez. Voilà, ça doit être la commande là, je crois.
Alors, je m'éloigne un peu du micro, c'est normal. Alors, VIP. Et après, il faut que je mette ton nom. Alors, ça doit être ça, je pense. Ouais, j'arrive à... Dès que je vois ton nom, je vais faire un copier-coller de ton pseudo. Et au moment, ça devrait marcher. Oh, ma caméra, elle est pas top, par contre. Ouais, ça pixelise un peu. Je vais retourner un peu la lumière. Voilà, ça va être un peu mieux. Allez, on va continuer un peu. Et bon, on va lire vite fait ce qui se passe. Il parle, il y a des horaires, j'ai pas compris. Scott et moi débarqués sur la côte vers 3h. Les renseignements des détenus se sont relevés. Des détenus? Pourquoi il y a une prison dans cet endroit-là? Ah, j'ai perdu un petit peu le fil de l'histoire aussi. Hein. Un petit peu perdu le fil de l'histoire. Voilà. Alors. Attendez, est-ce que c'est ça en fait? La commande. Désolé, hein, j'essaie de regarder pour rajouter cette commande. Ah ouais, c'est pas top top comme ça. Hein. J'ai des trucs allumés de partout sur mon ordi. Il y a XSplit, il y a le truc pour le son, enfin il y a pas mal de choses. Si je peux voir ton pseudo là-dessus. Bon, c'est pas grave, je le rajouterai après. C'est pas grave. Attendons. Bon, allez, je vais pas tout lire. On va retourner ça. Ouais, c'est tout des horaires en fait. Hein. Village fortifié, patrouille fréquente. Bien régulé, nous avons accueilli plus d'informations que prévu. Remboursons chemin. 4 heures de retour au point de débarquement. Nous avons trouvé notre bateau s'aborder dans l'océan. Complètement détruit. Ils savent que nous sommes là. Nous devons trouver un autre moyen de quitter l'île. Ben ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça. En général. Salut, Kelly. Coucou, Kelly. J'espère que ça va, en tout cas. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue. Bienvenue à toi. Je laisse tourner votre stream, car moi je... Ah, tu joues aussi, d'accord, ça se comprend. C'est sympa. C'est sympa. Je comprends très très bien, Kenny, que tu restes pas pour pas te spoiler. Il n'y a pas de soucis, c'est sympa déjà de faire un petit coucou. La même question. Merci à toi, Kenny. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. D'accord. Voilà, je sais pas par contre, Titi, à quoi tu joues en ce moment? Sur quel type de jeu? Si tu as le temps de faire quelques jeux ou pas? Je sais pas du tout. Ouais, ici, ah ouais, là-bas. Observez, oui, voilà, c'est ce que je viens de regarder. C'est votre village? Non, ça, c'est Haven. Le nôtre est plus loin dans les terres. C'est Haven, c'est ça? Il pourrait être repéré. Ah, d'accord. Eh ben, si on peut se faire repérer, je vais me baisser. J'espère que ça va, Kenny, en tout cas, avec le boulot et tout, le taf. Voilà. Je sais que tu bosses pas mal en ce moment, avec les messages que tu mets sur le Discord. Oh non. C'est quoi ça? C'est notre signal d'alerte. Warzone, d'accord. Rocket League et Apex, d'accord. Toute l'île est en alerte maintenant. Oh, c'est tous des jeux... Alors, attends, je vais regarder comment je peux faire pour te mettre... VIP. Suis-moi. Combien de personnes vivent ici? Est-ce que je peux faire comme ça? Un millier environ. Et combien de soldats? La moitié d'entre nous a été entraînée au combat. Alors, est-ce que c'est et comme que ça ou pas? Je sais pas si ça va marcher. Non, c'est pas ça. Alors, c'est la commande là, à mon avis. Ah, voilà, j'ai trouvé. Alors, attendez. C'est un... D'accord, c'est le slash pour le VIP. C'est moi qui sais pas le faire. Désolé, VIP. Allez, Titi, tu dois passer VIP. Étant donné que tu me suis depuis longtemps, c'est pas grand chose, c'est juste une reconnaissance par rapport à ta fidélité. Impossible de, en tant que VIP, comment ça? Je comprends pas. Alors attendez, est-ce que c'est bon ou pas? J'arrive pas à te mettre VIP, Titi, je sais pas pourquoi, je sais plus comment faire. Regardez vite fait.
afficher la liste des VIP. Non, c'est pas ça que je veux faire, moi. Ah, si, c'est ça, normalement. Donner le statut VIP à un utilisateur. Ah oui, bah pourquoi ça marche pas? Ah ah, je sais pas. Je fais par la commande du chat, mais ça n'a pas l'air de marcher. Hop. Pourquoi je peux pas le faire? Oh, attendez. Il se passe quoi là? Slash. VIP. Kitty. Donner le statut, bah oui. Pour les coller le nom alors bien, je sais pas. Est-ce que c'est comme ça? Ouais, je te mettrai peut-être à la fin du live. Ah, pas de soucis. Commande non reconnue. Oh là 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 là. Je réessaye une fois, puis après je laisse tomber. Hein. Bon, pourquoi j'arrive pas à le faire d'ici, de mon ordi. Je suis bien connecté, oui, je suis bien connecté. Il devrait revoir la méthode. Hein. Ça devrait être plus simple quand même. Je trouve que Twitch, il y a des choses à refaire. Hein. Hein. Non, j'arrive pas à te rajouter. Ils sont vilains avec toi. Bon, c'est pas grave, je rajouterai ça à la fin du live. À moins que j'aille là-dessus. Ah, partiteur d'ici, je pense que j'ai trouvé. Attendez, bougez pas. J'ai trouvé, les amis. Je vais faire ça dans le gestionnaire de rôle. Voilà. Allez, Titi. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est celui-là. Voilà, allez, bon. Ah, voilà, c'est bon, yes. C'est bon, t'es VIP. J'ai réussi à le mettre. J'espère que c'est bon. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Titi, t'inquiète. C'est fait, je pense. À mon avis, c'est assez bon. Tu vas voir le petit logo VIP. Et c'est tout à fait normal que je prenne le temps de le faire. Voilà, j'ai trouvé. C'est nickel. Nickel, impeccable. Voilà, c'est passé. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal parce que c'est vrai que bon, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de monde, hein, beaucoup de follow sur ma chaîne. J'ai l'impression que ça sature mon micro, non? Alors, attendez, je suis en train de voir un peu. On dirait que ça part dans le rouge. Vous n'hésitez pas à me dire si ça sature, si vous voyez que le son sature, du micro surtout. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de monde hein, par manque d'activité, voilà, moins de présence sur Twitch. Et le fait de voir encore des anciens qui, depuis le début de ma chaîne, sont encore là. Moi, c'est une façon un petit peu de vous récompenser. Et puis, en tant que membre VIP, il faut savoir, avec ce fameux système de monnaie silver, vous gagnez un peu plus de monnaie. Hein. C'est peut-être pas grand-chose. C'est vrai que la boutique, il n'y a pas de grosses nouveautés au niveau de la boutique. Mais voilà, si vous voulez faire plaisir par rapport à votre présence et votre monnaie. Après, c'est vrai que il faut beaucoup, beaucoup de monnaie pour partir avec un lot, mais bon, voilà. Voilà, donc en tant que VIP, membre VIP, la monnaie monte un peu plus vite. Allez, c'est parti, on se replonge dans le jeu. On y va. Voilà. C'est parti. J'ai bien coupé, ouais, c'est bon, impeccable. Par contre, je suis blanc maintenant, je suis trop blanc. Trop blanc avec ma lampe. Je suis beaucoup trop blanc, trop de lumière sur ma caméra. Allez, on y va. On va se replonger dans le jeu. Ouais, bah, donc apparemment, tu joues sur du Apex. Il y a longtemps que j'y suis pas joué. Après, je suis pas trop jeu cop, moi. Jeu cop multi, je suis pas très bon. Pas très, très, très bon. T'as eu ton code? Oh, c'est cool, ça. Ah, c'est génial. Bah, GG, gros GG à toi, Titi. Gros GG pour ton code. C'est la partie la plus difficile à avoir. Franchement, c'est la partie la plus difficile à avoir parce que la conduite, je pense que... Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'avec le Covid, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas du tout. J'ai vu qu'il allait y avoir des restrictions au niveau des auto-écoles, etc. J'espère que ça se passera bien. Tu as fait 4 fautes. Ben, c'est gros, GG. En plus, le code est de plus en plus difficile à avoir. Hein. Et je pense que le nombre de fautes est... Le nombre de fautes était plus importante. Enfin, tu l'as moins facilement à l'heure actuelle, le code. Ils ont vraiment, vraiment durci un peu le code hein, pour l'avoir. C'est pas ça. Mais gros, GG, je suis bien, hein, bien content pour toi. Et le permis, c'est important de l'avoir. Ça aide énormément. Ça vous change la vie, on va dire.
Voilà, maintenant j'espère que pour toi, pour la conduite, ça se passera bien. Voilà, ça va pas trop traîner. Je sais pas si d'ailleurs tu passes encore des leçons de conduite. Ou si tu es en conduite accompagnée, je m'en souviens plus. Je pense que tu étais en conduite accompagnée. Je sais plus du tout. C'est ce que j'ai fait pour mes filles, moi. Enfin, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai fait la conduite accompagnée. Vous en doutez, c'est ma femme. Ma femme a fait conduite accompagnée avec mes filles. Et tout s'est très bien passé. Taux de réussite du 100%, voilà. Taux de réussite du 100%. Bon, bien sûr, ils ne l'ont pas tous eu du premier coup. Parce que généralement, c'est rare qu'on a le permis du premier coup. Voilà. Ah oui, en plus, bah c'est important dans la vie, le permis. C'est très, très, très important, ça. Ça te change énormément. Ça t'apporte énormément de solutions, que ce soit pour du travail, que ce soit pour les études, pour pas mal de choses. Le permis, sans permis, tu fais rien, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Alors, moi, j'ai le permis, j'ai eu mon permis. Malheureusement, je ne peux plus conduire. Il n'y a personne ici. J'ai vraiment les boules. J'ai la haine de ne plus pouvoir conduire, moi qui aimais bien conduire. Ça, c'est un truc, c'est le truc qui a été le plus difficile pour moi. Malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais mon permis, je l'ai depuis pas mal d'années, hein, voilà. Alors moi, je l'ai passé à l'armée. On va dire, bah oui, mais on te l'a donné et tout. Non, on me l'a pas vraiment donné, hein. Il fallait faire autant de kilomètres, hein, je précise, à l'année. Donc j'ai fait 1 an et demi de service militaire. Et si j'avais pas le nombre de kilomètres nécessaires pour pouvoir l'obtenir, eh ben j'avais pas mon permis, même si j'avais réussi l'examen de conduite et du code. Et moi, c'était sur du poids lourd et du super poids lourd, hein. J'ai passé directement sur du gros gabarit, véhicule de l'armée à conduire. Voilà, je me suis fait des frayeurs, hein. Au début, ça n'a pas été évident de s'adapter avec des gros gabarits, surtout avec le super poids lourd. Voilà. Et maintenant, j'en ai plus l'utilité, malheureusement. C'est dommage qu'on ne pourrait pas le donner à quelqu'un quand c'est comme ça. Faire plaisir, hein, je ne sais pas, mais non. Là, c'est fini, je n'ai vraiment plus d'utilité. Oh, par contre, là, on récupère pas mal de choses. Ah oui, tu faisais un peu de conduite sur un parking. Ben, de toute façon, c'est ce que ma femme faisait avec mes enfants. Hein. Elle faisait ça également, conduite sur un parking. Le début, elle le faisait comme ça. Voilà, histoire de faire un petit démarrage en première. Voilà, essayer de synchroniser l'embrayage avec l'accélérateur. Et sur un parking, il n'y a pas de danger. Hein. Il n'y a pas de danger à ce que tu crées un danger sur la route ou quoi que ce soit. Et c'est la meilleure des méthodes, voilà. Bah je souhaite pour toi que tu puisses l'avoir. Parce que c'est trop important à l'heure actuelle. Le permis, c'est un petit peu comme le bac. Hein. Le bac, c'est important d'avoir, ou un BTH, ou je sais pas. Mais voilà, tout ce qui est diplôme, c'est important à l'heure actuelle de l'avoir. Et le permis, c'est pareil. C'est un truc indispensable. Voilà. C'est indispensable de l'avoir. Voilà, on peut pas s'en passer du permis. Alors, je continue à faire le tour. Parce que là, je récupérais pas mal de choses. Ok. Eh ben, c'est vraiment génial, Titi. Je suis bien heureux pour toi. Bien content. Là, par contre, on récupère énormément de choses. C'est pas dans la logique des choses. Quand tu commences à récupérer des objets comme ça, un peu de loot, c'est qu'il va se passer quelque chose. Je peux rien fabriquer. J'ai pas grand-chose. Hein. C'est un peu triste. Hein. Je peux pas fabriquer de kit de soins. Ah là, on a des poules. Ouais, c'est des sacrées poules. Ou des coqs. Ils sont énormes. Ils sont bien nourris, les poulets, ici. Eux. Malgré la situation, les poulets sont énormes. Alors, je vais passer. On fait le tour. Par contre, faut pas que je me fasse repérer non plus. Hein. Regardez le travail qui a été fait sur ce jeu. Il est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment joli. Hein. Les nervures dans le bois, le changement de couleur comme ça, avec l'eau, avec l'humidité. Ouais, ce jeu, c'est une tuerie. C'est un gros kiff, ce jeu. Franchement, j'ai... Oh, ici, regardez. Ah, je pensais que c'était du soin. Non, même pas. Ouais, donc c'est bon. Tout fonctionne. C'est parfait. Attendez, je regarde un peu. Je pensais que j'avais mon chien qui était monté à l'étage. Mais non, ça va. Alors ici, on entend parler. Bah moi, j'étais intéressé de le prendre, Titi. J'aurais voulu le prendre, Call of Duty, surtout pour le mode campagne. Parce que je suis pas quelqu'un qui fait
qui fait beaucoup, beaucoup de multi, de cop, etc. Parce que je suis pas bon, hein, faut pas se cacher. Mais je vais surtout me concentrer au maximum sur Valhalla. Voilà. Ça va être le jeu qui va me prendre. Je vais être un petit peu comme The Last of Us. Je vais essayer vraiment d'y jouer le plus possible. Alors, je vais pas tout le temps le streamer, par contre. Je pourrais pas me permettre de dire, voilà, vous verrez le jeu qu'en live. Ça, par contre, c'est pas possible. Parce que le jeu, il faut que j'avance. Il est tellement long à faire que vous verrez certainement des lives, mais j'aurai déjà avancé dans le jeu. Voilà. Ça, je peux pas faire autrement parce que voilà, c'est un jeu vraiment, vraiment qui demande du temps. Voilà. Ce que je peux faire ici. Certainement avec cette petite charrette passer là-haut. Ouais, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que cette année, le prochain Call of Duty a l'air plutôt intéressant. Ah, le mode zombie. Ah ouais, c'est pas mal le mode zombie. J'ai eu l'occasion de faire un Call of Duty avec un de mes viewers. Et j'en ai fait un peu de mode zombie. Je sais plus sur quel Call of Duty d'ailleurs. Je m'en souviens plus. Je l'avais acheté exprès pour ça. Bon, là, on se voit un peu moins parce que lui, il est pris par ses études, etc. Mais de temps en temps, ça m'est arrivé de streamer un peu de Call of Duty en mode zombie. Voilà, bon, j'étais pas très bon, hein. J'étais vraiment pas très bon. Mais voilà. Mais t'es sur PS4, je pense, toi, Titi. Hein, je sais plus, hein. Je m'en souviens plus si c'était sur PS4 ou sur PC. Je sais plus du tout. Excuse-moi. Alors, je pense peut-être PS4 du fait que t'as fait The Last of Us, je sais pas. À moins que t'aies un ordi. PS4, d'accord. Ok, ouais, donc t'es sur PS4. Je sais pas, je pense qu'il va, il va y avoir pas mal de monde qui vont... Ils vont l'acheter, hein. Pas mal de monde vont acheter ce jeu. Il y a des grosses sorties. Il y a des grosses sorties au mois de novembre. Hein. Et encore, il y a Cyberpunk qui a été repoussé. Ah d'accord. Jusqu'au 3, d'accord. Par la Syrie, le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur? Oui, on peut couper par là. Donc il va falloir passer par le bâtiment à droite où il y a les torches. On va essayer de faire ça sans se faire repérer. Ça va pas être simple. Fermez le portail, verrouillez le camp. Ah, par contre, ça va être compliqué, énormément de monde. Là-dessus, je sais pas comment je vais faire. Protégez nos enfants du mal. Vite ton esprit. La nuit promet d'être longue. Vide ton esprit, d'accord. Alors, on en a un là-bas. Je suis en train de regarder par où je pourrais passer. Voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. On va passer ici. Passe par là. Voilà. Alors, je suis pas bon. Hein. Je vous dis tout de suite, je suis très mauvais quand il est question de s'infiltrer dans un campement. Sans se faire repérer, généralement, ça passe pas. Généralement, ça passe pas. Je me fais tout le temps repérer. Pourtant, avec les Assassin's Creed, tout ça, je devrais être habitué parce que j'en ai fait aussi. Hein, j'ai fait Origine. J'ai fait Odyssée également. Je suis en train de terminer Odyssée là. Voilà. Alors, comment je vais faire pour passer ici? Il a l'air un peu seul, lui. Et je ne sais pas si j'ai du surin ou pas. J'ai un surin seulement. C'est pas terrible, hein. Ouais. Par contre, là... Je sais pas où il est parti. Il est là-bas. Eh ben, on va essayer de se faufiler dans les... Le mieux, c'est de ramper. Le mieux, c'est de ramper, je pense. Voilà, si lui, je peux l'avoir comme ça... Il a quoi en fait? Après, je peux essayer d'utiliser l'arbalète. Mais je tire tout le temps à côté. Hein. Je suis pas bon à l'arbalète. Il se rapproche sur moi, il se rapproche sur moi. Il va me repérer, je suis sûr. Sûr et certain qu'il va me repérer. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ah, ça va. Tout se passe bien, le live passe bien. Il n'y a pas de perte d'image. C'est nickel. Allez, on repart de l'autre côté. Moi, je vais essayer d'aller le choper, mais à chaque fois, il se déplace.
Parce que là, je pense pas qu'il faut y aller en mode sauvage, en mode barbare, ça sert à rien. En parlant de barbare, justement. Bon, on va bouger. Ah, il revient vers moi. Faut être patient, quoi. Oh, il y en a un là-haut. Alors, on va pas bouger, du coup. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a vu? Il m'a vu ou pas? S'il me voit là, je suis foutu. Hein. Ah, de dos, voilà, le dos, ça c'est bien ça. Allez, vite, on y va. Hop, saisir. Fais pas de conneries. C'est bon, on l'a eu. Ah, cool. En plein. C'est parti. C'est pas fini, hein, il y en a encore plein, hein, c'est pas fini. Oh, mais toi pas debout. Je me trompe dans mes touches. Ah, j'ai pas de mémoire. Je confonds encore mes touches. Hein. C'est fou ça quand même. Alors ici, est-ce qu'il n'y en avait pas un là-haut aussi? Un là-bas? Alors on va essayer de s'avancer tout doucement par là. Et lui j'ai peur qu'il me voit là. Hein. Est-ce que je peux passer là? Je vais regarder si je peux pas passer là. Non, je pense pas. Hein. Je sais pas si je peux grimper là-haut du coup. On va essayer, on verra. C'est pas du tout. Ouais, d'accord, pas de soucis, Titi. Ouais, y a pas de problème. C'est sympa, c'était sympa, Titi, d'avoir passé. Faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Même si c'est pas. Si tu peux pas rester, je comprends très très bien. Hein, voilà. Oh, bah, bonne douche en tout cas. Et un grand grand plaisir de se retrouver. Profite bien. Voilà. Je sais pas si. Si de ce côté-là, bah sois prudent surtout. Voilà, soyez prudent, protégez-vous, c'est important. Et puis, bah passe une bonne journée et au plaisir. Hein. Voilà, au plaisir de se retrouver. Merci Titi d'être passé, ça fait plaisir. Et à bientôt. Bonne continuation à toi également. Je repasserai, serait apprécié. D'accord, ok, bah je vais jusque 13h. Maximum 13h. Hein. Ouais, ma femme revient du boulot. J'ai failli me faire choper là par contre, hein. Je sais pas si j'ai bien fait de passer là. Il n'y avait pas quelqu'un là. Ouvre l'œil, côté gauche. Oh, il est là lui. Il vient me voir, non? Attendez. De quoi? Allez. Dépêche-toi. Faut que tu meurs. Non. Voilà. Allez, on récupère des munitions, c'est nickel. Par contre, je devrais peut-être pas rester là, hein, parce que là, je suis en pleine lumière. Je vais repasser de l'autre côté. On sort de là. Voilà. Le mieux, c'est pas de rester là, parce que... là, il n'y a personne, là. Voilà. Mais pourquoi tu me pousses, toi? Faut pas me pousser. Laisse-moi passer. Alors. Il n'y aura pas de live. Je pense pas qu'il y aura un live cet après-midi. Ça sera repos. Hein. Pas passer une très bonne nuit. Donc ça sera repos cet après-midi. Voilà. Bon, je refais quelques petites activités sur la chaîne quand même. Mais il n'y a pas. Avec les nuits, je passe. Et je suis obligé de me reposer. Hein, de récupérer un peu la nuit. Avec la nuit que je passe. Pas très bon. Est-ce que je vais l'avoir, lui? J'aurais bien voulu tirer dessus, mais... Généralement, je tire tout le temps à côté. Ah, je tenterais bien de tirer dessus, hein, mais bon... Ça me fait peur. On va passer par là. Ah, attendez. Vas-y vers ici. On va passer par là. On va se mettre à plat ventre. Voilà, passer par ici. Je vais voir si je peux pas le choper. Je sais pas si ça va revenir ici. Concentration au maximum.
Il y en a un là-bas. On va passer par là. Comment il m'a vu? Comment il me voit? Comment il me voit? Qui me voit? Ah, là-bas! Ah ouais, ils ont des sacrés... Ils ont vraiment des yeux de Terminator. Hein. Ils ont une vue de chat. Hein. Ils arrivent à me repérer comme ça, c'est... Ouh! Non, je suis loin. Hein. Non, tu peux pas me voir, là. C'est pas possible. Si tu me vois là, il y a un problème. Allez, on va le choper par comme ça, par là. Ah, je pourrais pas! Je suis à découvert. Allez, c'est parti. Vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est trop long ça, par contre. Voilà. Par contre, je vais certainement changer mon arbalète par mon fusil sniper. Ouais, par ça. Oh, je peux fabriquer un kit de soins ici. Voilà, nickel. Impeccable. Ok. On a deux kits de soins. Pas top top. On a un là-bas. Alors, est-ce que je me rapproche du bâtiment où il y a les torches? Oui, c'est là-bas. Ah, ici. Là, là, il y a quelqu'un là, regardez. Ah, j'aurais un silencieux sur mon snipe. Hein. Sur mon fusil d'assaut, un petit silencieux là-dessus, je l'aurais déjà allumé. Hein. Mais j'en ai pas. Malheureusement. Non, je prenais le silencieux. Après, j'aurais pu tenter avec l'arbalète. Voilà. Franchement, je vois pas comment je vais faire pour passer. Ah, il y en a un là-bas. Où je peux passer? Allez, je vais passer par là. On va faire le tour. On va faire le tour, on va passer autrement. Voilà. Là, je vois rien. Voilà, là, j'ai une meilleure vue. Meilleure vue des ennemis. C'est par là. À plat ventre, certainement. Oh, il n'y a personne, là, on va profiter. Non, 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 non. Ah, mais comment il me voit, là, lui? Ah non, mais ils sont forts, hein. Ils ont une très bonne vue, franchement. Je sais pas s'ils vont chez Afflelou ou bien... Parce que là, au niveau vue, ils sont très bons. Hein. Ah, malheureusement, elle reste là. Elle va pas bouger. Elle a les dos, donc je peux y aller. Qui c'est qui m'a vu? Qui c'est qui m'a vu? Ouh! Qui c'est qui me voit là? Ouh! Y a quelqu'un où? Je vois pas. Où il m'a vu lui? Non mais sérieux? Comment vous voyez là? Je le vois pas, je vois pas qui c'est qui m'a repéré. Bah non, bah je vois pas, je sais pas pourquoi il m'a dit que. Il m'a dit que je vais me faire repérer. Je n'ai pas tout compris. Pas mal ce passage là. Plus que t'avances dans le jeu, les passages sont assez stressants. Ouais, bien sympathique. Ouais. Non, 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 non. S'il m'a vu là. Va dans l'eau, va dans l'eau, va dans l'eau. Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Va dans l'eau, tu vas te faire repérer. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouh. Il y en a un là-bas. J'ai pas vu qu'il y en avait un là-bas. Ah, j'ai failli me faire opérer. Hein. Ah, le seul moyen, c'était d'aller dans l'eau. Hein. Parce que là, c'était foutu. Hein. Oh, je peux pas remonter. What? J'avais pas vu, lui, là. Regardez, il y en a un là-bas.
Il restait un petit peu sur le, à l'arrière du bâtiment. Ouh, c'était chaud, 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 chaud. Oui, il est là. Vite, fais le tour, fais le tour, fais le tour. Dépêche-toi. Ouah, je suis en stress. Il est où? Bah, il va vite, hein, il va très vite. Ah, de toute façon, je me fais repérer, c'est fini. Hein. C'est mort. Hein. Là, c'est foutu. Hein. Allez, fais le tour, fais le tour, fais le tour. Allez, là, tu crois qu'il va me voir là-bas au bout? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, en mode accroupi, c'est vrai que c'est pas la meilleure des méthodes. Vite, fonce dessus, fonce dessus, fonce dessus. Voilà. Alors j'ai plus de surin malheureusement, c'est dommage, j'en ai pas fabriqué assez de ça. Parce qu'avec le surin, j'ai pu l'éliminer beaucoup plus vite qu'en furtive. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est angoissant quand même. Hein, parce que là, t'as pas le droit à l'erreur. Pour l'instant, tout se passe bien, mais c'est pas. Hein, je suis à la limite de me faire repérer. Hein. Et vraiment. Hein. Oula, 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 qui c'est qui m'a vu? Qui c'est qui me voit? Qui c'est qui m'a repéré? Et où ça? C'est qui m'a repéré? Ben non, il est là-bas, mais il peut pas me repérer de là, quand même. Ah, mais je vous dis, ils ont des yeux de Terminator, ces gens-là. Ils ont des yeux de cyborg. Ils ont des yeux de cyborg. Allez, on va récupérer ça. Si je peux faire des soins avec ça, ça serait superbe. Voilà. Voilà, voilà. Du stimulant, alors. Est-ce que je peux créer un kit de soins? Ah, je peux améliorer ça. Augmentez votre vitesse de déplacement en mode écoute. Stabilité et précision. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Hein. Quantité de sélectionner. Ouais, des balles, on n'a pas des masses. Munitions, c'est pas top top. Ouais, non, je vais prendre la précision quand même. Ah, c'est quoi ça? Augmente la vitesse d'utilisation des kits médicaux. Ah. Je sais pas. Je sais pas quoi prendre. Baisse-toi, baisse-toi. Ah, mais c'est fou, comment il arrive à me voir là? Waouh, mais hey, c'est incroyable. Ils sont incroyables, ces ennemis. Franchement, moi, je m'amuse à faire ça aussi. Je suis même pas planqué aussi. Bon, c'est vrai que... On va me mettre autrement. Augmente la vitesse d'utilisation des kits médicaux. Prendre ça. Allez. Voilà, on va prendre ça. Le soin, c'est important. Avant les balles, avant le tir. Parce que c'est vrai que la priorité, c'est pas d'améliorer les armes. Si, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de munitions. Hein. On est encore ici. Oh, on a encore des petits trucs à récupérer, là. Voilà. Oula. Munitions de pistolet. Allez, c'est parti! Bon, on va se rapprocher du fameux bâtiment. Ce fameux bâtiment là-bas, là, qui. Il est où? Il est où? Attendez. Ah, il est là-bas! Je pars au mauvais endroit. Là, j'étais pas dans la bonne direction. Allez, on y va. Je pense, je sais pas si on avance encore énormément. Moi, j'en vois encore deux. Allez. On va vérifier en même temps si tout se passe bien sur Twitch. Ça a l'air d'être bon. Impeccable. Ah, par contre, je pense que j'ai oublié mon téléphone. Oui, attendez, j'arrive.
Là, il est midi en principe. Normalement, mon téléphone va sonner pour prendre mon traitement et je l'entends pas. Alors, j'en ai un. Attendez, hein, je vais vous laisser, les amis. Là, je suis obligé de couper quelques instants. Le temps que j'aille récupérer mon traitement est là, mais j'ai pas pris mon tel. Oh, c'est pas grave. J'arrive. Petite pause pour moi. On va sauvegarder, on va profiter. Comme d'habitude, à midi, il y a tout le temps le tel qui sonne pour prendre mon traitement. Ça va, j'ai vu qu'il était midi, donc heureusement, pas j'oublie. Voilà. Allez, écran de pause, et je vous reprends tout de suite après. Je sais pas s'il y a encore du monde ou pas. Attends, je vous mets un petit écran de pause, à tout de suite. Hop! Alors, le micro, attendez. Non. On passe pas. On passe pas. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Impeccable. Allez, c'est parti. On va essayer d'avancer jusqu'à ce fameux bâtiment où il y a les deux petites... Les deux...
Moi, je vais pas dire les torches, mais les deux flambeaux, voilà. Les deux flambeaux. Pour aller là-bas, dans ce bâtiment-là. Tout fonctionne. Ouais, c'est bon. Ah, puis j'ai un petit souci avec le... Merde! Protégez le camp! Je me suis fait repérer! Yara, tu vas nous le payer! Je me suis fait repérer, les amis! Ah, oh, mais j'aurais. C'est pas bien ça! Pas bien! Ah, mais dommage! Dommage! Non! Allez, on va se planquer, planque-toi! Voilà! Ah non, pas rafale! Mais non! Pourquoi je suis en rafale? Ah, j'ai mal joué! Salut Masto! Salut, bienvenue à toi! Ah, je me suis en mode rafale! Mais non, je voulais tirer une balle! Comment je fais pour changer? Ah, ça va pas, ça! J'espère que tu vas bien! Il y en a deux là-bas! Je me suis fait repérer, malheureusement! Il a son compte! Alors attendez, il y a un truc qui va pas! Ah, ça va, bah, c'est comme d'hab, hein, comme d'habitude. Assez fatigué, comme d'hab. Pas trop top en ce moment, mais bon. Mais bon, ça m'empêche pas de faire un petit live. Et d'avancer dans ce jeu, voilà. Merci d'être là, en tout cas, ça fait plaisir. Faut trouver où elle se cache. Je me suis fait repérer, malheureusement. Alors, puis tout à l'heure, je fais tout en mode furtif. Je me suis pas, j'ai éliminé quoi, 4-5 soldats. Sans me faire repérer là, j'ai fait une erreur. J'ai été beaucoup trop vite et là tout le monde m'a repéré. Allez, je vais prendre ça. Il est mort, non. Non mais j'aime bien leur cri au moment de mourir. C'est génial. Ils sont assez expressifs quand même. Hein. Ils sont assez expressifs là-dessus. Allez, t'es mort, hein. Je pense qu'il y en a plus. Je pense qu'on est bon là. Je crois que c'est fini. Voilà, on est bon, yes. Oui. Est-ce que ça va? Le cri de la personne au moment de mourir. Il est soit assez expressif. Hein. Il crie dans tous les sens. Ah, oh, oh, oh. Je veux pas réussir à le refaire, mais c'est assez marrant. Oh, il n'y a plus de tête, lui. Sa tête, elle est passée où? Ah oui, c'est vrai, j'ai donné un coup de pompe, fusil à pompe. Ah, c'est efficace. Ah, le fusil à pompe est efficace, il n'y a pas de doute. Ah, oh, je vais prendre ça, tiens. Ah non, il y a 3 barres. Il n'y a que 3 barres, donc je le prends pas. Ça doit pas être top à manipuler en plus, ça. Hein. Ah ben ça va, je m'en suis bien sorti, ça va, ça a été. Je pensais que j'aurais galéré un peu plus. Là, je l'ai complètement cramé, là. Il est complètement brûlé, regardez. Il a pris feu. Ça, c'est avec le fusil à pompe, hein. C'est le fusil à pompe avec les cartouches inflammables. Oh là, bah lui c'est pareil. Attention, c'est assez gore malgré tout. Hein. Ah ouais, aïe, exactement. Ouais, effectivement, le fusil à pompe avec les cartouches inflammables, c'est plutôt pas mal. Excusez-moi. Désolé. Petit quelque chose qui gratte dans la gorge. Je vais aller voir là-bas. J'ai profité avant de partir de faire tout le tour des bâtiments pour récupérer un maximum d'objets. Comme d'habitude, on va prendre le temps. Chose que je pouvais pas faire tout à l'heure. Donc on va aller faire le tour. Et après on continuera. Ça c'est un marteau. Est-ce que je suis peut-être déjà venu ici peut-être hein. Ah non.
Regardez, vous voyez, il y a des petits éléments récupérés entre deux. On va pas gêner, hein. Il faut. Faut qu'on récupère. Voilà. Là, c'est pareil, un petit kit de soins, ça, c'est bien, ça. J'en ai deux. Ça va, j'ai pas utilisé mon soin pour l'instant, c'est nickel. J'ai deux kits de soins. Ah, ça, c'est du poisson. Attendez. Ouais, si, c'est du poisson, ils ont fumé le poisson, en fait. C'est bon, ça, du poisson fumé comme ça. Alors, ici, on va faire le tour, on va voir un peu... Attendez, on va voir un peu, je vais aller voir là-bas peut-être. Est-ce que je pense que j'ai fait tous les bâtiments, il me semble. Hein. Ah, je n'ai pas fait celui-là. Celui-là, j'ai pas fait. J'ai pas eu le temps d'aller faire mon petit tour dedans. Est-ce qu'on peut y passer? Alors, je suis en train de vérifier. Je sais pas. Non, apparemment, on peut pas passer dans ce bâtiment. Ah bon? Non. On ne peut pas. On n'y passe pas. Celui-là, je l'ai fait. Bon, on a fait le tour. C'est bon. Allez, on passe là. On y va, c'est parti. Allez, super, on récupère pas mal de trucs. Un petit peu de loot, tout ça. On va essayer de voir. Voir s'il n'y a pas des choses là-haut, peut-être, pourquoi pas. On va aller voir ça. Allez, on va faire le tour en bas d'abord, avant. Voilà. Bon, allez, sympa quand même, ce passage avec Abby. Hein. Il n'y a pas... Même si Abby, on ne l'aime pas vraiment. Et c'est un passage obligé dans le jeu. Oh, ici. Voilà. Là, on a un établi, tiens. Suis-moi. C'est dommage. On avait un établi, on aurait pu l'utiliser. Mais c'est pas l'établi pour réparer les armes. Allez, on va grimper là-haut, tiens. On y va. C'est parti. C'est parti. Hop. Ah voilà, on a bien fait d'aller là-haut. C'est nickel. Non, par contre, l'arbalète, j'utilise pas l'arbalète. Hein. Parce que tout simplement, je suis pas bon du tout au niveau tir. Est-ce qu'on peut aller là-bas, tiens? Marcher sur la poutre. Eh ben non! Ah ben non, on peut pas marcher sur la poutre. Si? Moi, j'essaie des trucs incroyables. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que je peux pas faire et j'essaye quand même. Il y a des trucs que j'essaye comme ça, je sais pas. Moi, je sais pas, j'aurais été à la place d'Abby, j'aurais été voir là-bas, mais apparemment, il n'y a rien, hein, ça brille pas. Allez, on va descendre comme ça, là. Allez, hop. À la mode sauvage. Mode barbare. Hop. C'est parti. Bon, allez, on y va. Ici, on a quoi? On a rien. Ah, ici, regardez, on peut faire quelques munitions, c'est impeccable, ça. Voilà. Ouais, voilà, donc c'est bon. Ouais, parfait. Ouais, ça va, le live passe encore. Ouais, je vérifie parce que, bon, des petits soucis en ce moment avec la fibre. Cette fois, mon internet se coupe. Ça me fait drôle de parler de la fibre parce qu'avant, j'étais en 4G. Je peux streamer en 4G. Et j'ai la fibre depuis le mois de mai, mars. Ouais, depuis le mars. Et c'est. Bah ça change la vie hein, la fibre hein, quand t'es fibré. Que ce soit même pour pas mal de choses, pour downloader des jeux, etc. Voilà, regarder Netflix en qualité. Qualité 4K, tout ça, c'est vraiment top. Voilà, voilà. Et surtout pour le stream. Alors là, j'en parle pas. C'est beaucoup plus stable quand même que de passer par de la 4G. Enfin, ça m'a bien dépanné la 4G, hein, malgré tout. Ça m'a permis de streamer comme ça pendant plusieurs années en 4G. Parce que j'avais pas assez de débit pour la DSL. Hein. Donc j'étais pas. Bon, ça avait un coût. Hein. Putain de merde. C'était un budget. Tous les mois, je payais, payais 15 euros. 15 euros par mois pour un forfait 4G illimité.
plus le forfait internet ADSL. Donc c'était un budget quand même... Ça piquait un petit peu à la fin du mois, mais bon. Isaac, qu'est-ce que tu fous ? Mais j'étais bien content de passer par ce système-là. J'avais pas trop le choix, quoi. Voilà. Alors, ça m'a bien dépanné, ce système-là. Bon, on a quoi là-haut ? Baisse-toi. C'est une aubaine. Ils sont sur notre territoire. Ouah ! C'est quoi ça ? Ils m'ont repéré, vous croyez qu'ils m'ont repéré, non ? Ouais, ils font quoi, eux ? Pourquoi ils courent comme ça dans tous les sens ? Pourquoi ils courent dans tous les sens comme ça, il y a quoi ? Je dois faire quoi exactement ? Ah, hop, c'est illimite. Par où maintenant ? On va passer par le chalet droit devant. Par le chalet droit devant ? Où est-ce qu'ils emmenaient les enfants ? On a des abris un peu partout. Allez, on y va. Si jamais ça tourne mal, ils leur feront quitter l'île. Tant mieux. On savait que ça arriverait. Ah, il y a des bottes. Des petits bottes, je ne sais pas si... Ouais, il y a des messages qui ont été effacés sur le chat. Bon, moi, vous le voyez pas, mais moi, je le vois. Time out. I cherche a follower prime of view. Ouais, ça, c'est des bots. Ah, les bots sont de retour. Stochi, salut Stochi. Je sais pas si t'es un bot ou pas. Salut à toi, bienvenue. J'espère que je prononce bien ton pseudo. Voyez les bienvenus. Mais bon, ça va. Ouais, Kaza, 11-4-413, ouais, bon, c'est des bots, ça. Timeout de 10 secondes, de toute façon, s'ils recommencent, à mon avis, ils vont certainement se reprendre la timeout. Allez, c'est parti. On y va. On se faufile dans les herbes hautes. Voilà, pour pas se faire opérer, on sait jamais, hein. Oh, ça tire. Ça tire, ça tire. Par contre, c'est dommage que je peux pas mettre de silencieux sur cette fusée à lunettes. Un peu dommage, hein, sur ce sniper, on va dire, plutôt. Je sais pas si c'est un... Bon, c'est un genre de fusil d'assaut avec une lunette. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là-dedans? Pour l'instant, ça a l'air d'être calme. Je vais prendre ça comme pistolet, comme flingue, parce qu'il a le silencieux. S'il y a quelqu'un, moi, s'il arrive sur moi, je vais pouvoir l'éliminer en restant discret. Bah, elle marche comme ça, elle. Oh, tu te planques pas? Elle se planque pas du tout. Ouais, vous êtes sérieux? Moi, je vais aller dans le bâtiment, hein. Moi, je me sauve pas. Hein. Je vais aller fouiller, hein. Je vais aller récupérer ce que je peux. Il faut aller fouiller, faut récupérer. Hein. Non, non, moi, j'ai besoin d'objets. Hein. Ah ouais, faut pas passer à côté de ça, quand même. On a besoin. Ah, ici, un petit courrier. Une des petites notes. Eva a fait le mur pour me rejoindre à la tannerie où je faisais les ménages. Alors, je vais pas tout vous lire. Hein. Je partiens demain en territoire Wolf. On m'a demandé si j'étais déjà en promesse avant que j'ai pu répondre. Ouais, retournez. Devon n'est pas encore revenu. Ok. Oh, ici, regardez.
On va pas laisser ça quand même. On va l'utiliser. Allez. On fait le tour. Kit de soins, je suis full. Ah bah là, on va pouvoir confectionner à nouveau. Voilà. Oh, on a un établi ici. Waouh, ça c'est top ça. Alors je sais pas si j'aurai assez d'éléments pour pouvoir améliorer quelque chose. On verra bien. Voilà, je suis full encore. Alors, j'aurais peut-être dû améliorer mon... J'aurais peut-être dû améliorer mon stockage quand même au niveau munitions. Parce que je trouve qu'on en a... On en récupère pas mal. Là, je vois que ça fait plusieurs fois que je peux pas me servir parce que je suis plein. Ouais, j'aurais peut-être dû l'améliorer. Hein. Ouais, on verra. Ouais, pas de soucis. Bah, y a pas de soucis. Quand il y a urgence, il y a urgence. Hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. Y a pas de problème. Allez, on y va. On prend sur quoi, là? Bon, l'arbalète, franchement, je l'utilise pas. L'arbalète avec une lunette. Ah ouais, ça pourrait être sympa, ça. Ah oui, ça peut être sympa, ça, ce truc. Alors, on peut mettre une lunette sur un pistolet? Ah bon, je savais pas. Je savais pas. Stabilité, cadence de tir. Je pense que je vais prendre l'arbalète, en fait. Parce que c'est une arme qui reste vraiment... ça reste dans la discrétion. Et le fait de pouvoir mettre une lunette, j'espère que je peux pouvoir le faire. Je vais regarder. Le gros pistolet. Vaut mieux améliorer le gros pistolet pour toi, Masto? Tu penses? Je sais pas. Parce que l'arbalète, je n'utilisais pas. Parce qu'en fait, au niveau de la visée, c'était horrible. J'ai tiré tout le temps à chaque fois à côté. Et le fait d'y mettre une lunette, est-ce que ça serait pas mal? Parce que c'est une arme qui reste vraiment dans la discrétion. Franchement, je sais pas quoi prendre. Mais vraiment pas, je sais pas ce que vous en pensez. Toi, tu prendrais quoi, toi, Masto? Plus le pistolet? Alors, le pistolet, ça reste... si t'as pas de silencieux, tu te fais repérer. Hein. Non, mais je vais confectionner une lunette sur l'arbalète. Je pense que ça peut être sympa. Alors, c'est vrai que la stabilité n'est pas top. On va mettre la lunette, allez, c'est parti. Voilà, je vais mettre ça plutôt. Mais comme tu veux, ouais, après j'aime bien avoir aussi vos avis. Hein. Moi, je sais que le jeu, tu l'as pas encore fait. Hein. Mais faut pas hésiter à me donner vos avis également. Ah bah là, je peux l'améliorer aussi, ça, ici, ce pistolet. Ah bah on va améliorer la cadence de tir. Yes, c'est cool ça. Ah bah on va profiter, voilà, cadence de tir. Nickel. Allez, un petit coup de chiffon. Un petit coup de nettoyage. C'est important de nettoyer les armes. Si c'est mal nettoyé, ça fonctionne pas. Voilà, c'est bon, nickel. Oh, le bruit du percuteur, je sais pas. Ça ferait un bruit de tuyau. Voilà. Alors, est-ce que je vais essayer la... mais non, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est compliqué pour changer d'arme, par contre. Ah non, j'ai retiré. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas le bon truc, ça. Ah si, pourquoi pas. Pour l'instant, le pompe... Ah, j'ai du mal à changer les armes, c'est assez compliqué pour moi. On va appuyer sur X aussi. Ah ouais, regardez. Ah, c'est sympa ça. Ça peut être bien utile ça par contre. Ouais, c'est un peu de sympa. Allez, on verra par la suite pour l'utiliser. On verra bien. Fixer un silencieux. Et là, on peut pas fixer de silencieux là-dessus. Non, on peut pas. Dommage. Dommage, dommage. Alors, ici. Je viens de là, en fait. Ouais, on vient de là, donc c'est bon. Notre village est de l'autre côté de ces champs. Parfait. Et si on faisait une petite sauvegarde? Pourquoi pas? Allez. SGG pour ton level, Maxto.
Déjà, toi, merci d'être là, en tout cas, de m'accompagner ce matin. Ça fait plaisir. Moi, je suis pas tout seul. C'est super sympa. Allez, on y va. Ça tire, là. On entend des coups de feu, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Salut Linky! Ah Linky, salut à toi! Comment tu vas? Ouais, ça fait plaisir de te retrouver! Il y a un moment qu'on s'est pas croisé en plus! Bon, après, c'est vrai que moi, ces derniers temps, j'ai pas été beaucoup présent, on peut le voir d'ailleurs, hein, dans tous mes résumés de live, que ce soit sur YouTube, parce que mes lives sont sur YouTube, vous pouvez aller voir. Il y a eu des blancs et des creux au niveau de mes lives, hein. J'ai été absent pendant pas mal de mois, pas mal de semaines. Avec ma santé qui est pas top du tout, donc voilà, là je reprends vraiment parce que du fait que je suis confiné, là je suis vraiment confiné, je ne bouge pas de chez moi, je ne peux pas, j'ai pas le choix. Voilà, moi c'est vraiment le confinement à 100% parce que je suis quelqu'un de très fragile. Voilà, il faut que je sois prudent. Alors vous allez me dire, mais avant il y a encore le Covid, bah oui, mais je prenais les protections, je faisais les protections nécessaires. Voilà, mais là, étant donné que là on est en alerte. En alerte rouge ici dans mon département, ils ont jugé que. Parce qu'il faut savoir que je fais de la kiné, des exercices en piscine également, donc tout ça c'est annulé. Voilà. Ouais, c'est pas trop top, Lingui. Hein. Ma santé n'est pas géniale. Voilà, je vais pas trop m'éterniser sur le sujet, mais c'est pas vraiment génial. Pas du tout. Énormément fatigué, des pics de douleur, j'en parle même pas. Donc je dors très 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 peu, manque de sommeil incroyable. Voilà, on pourrait pas croire comme ça, c'est vrai, on dirait que j'ai la pêche et la banane là en parlant, en discutant, mais mes journées sont très compliquées, besoin tout le temps de me reposer, et après cet après-midi c'est pareil, là ça sera repos, tant que j'ai passé une mauvaise nuit, voilà, mais ça me fait du bien de revenir un peu sur Twitch, hein, même, voilà j'en ai besoin, j'ai besoin de streamer, de toute façon ça me change les idées surtout. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour toi, Liggy. Voilà. J'espère que tout se passe bien. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde en ce moment, que ce soit pour les études, le boulot. Pas simple. Il est un peu loin, lui. Hein. J'ai bien envie d'avancer un peu vers lui. Mais le problème, c'est qu'il est de face. Et j'ai peur qu'il me repère. Ouais, je comprends très bien, Linky. Je sais que tu fais des études assez importantes. Ma fille, c'est pareil, hein. Tu sais que ma fille, elle est également à la fac, hein. Elle a des études assez importantes également. Là, elle est confinée aussi, hein. Elle fait tout par correspondance. Enfin, à distance, on va dire. Par Internet, quoi, voilà. Et même elle le disait, hein, ce confinement, c'est pas génial pour apprendre, quoi. Ah, j'ai pas de surin. Ouais, mais je fais comment pour le tuer, lui? Ouais, je fais comment pour le tuer? J'ai pas de surin. Je vais faire comment? Oh non, mais il est de dos, je sais pas si je vais l'avoir, là. Bah, courage à toi. Je sais ce que c'est avec ma fille qui est également dans les études pour être professeur des écoles. C'est franchement... C'est pas marrant non plus pour elle, hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les lycées, les collèges sont encore ouverts, mais au niveau des facultés, au niveau de la fac, tout ça, non, c'est niet. Il n'y a pas de... C'est confinement total pour, du moins dans la région. Hein. Voilà. Un coup de poing. Masso, tu crois que je peux y aller au coup de poing? Non, le gabarit de cette personne, elle fait trois fois ma taille. Je ne pense pas qu'avec un coup de poing, j'arriverai à l'avoir. J'aurais pu tenter, ouais. C'est le brevet pour toi, Masto, d'accord. Ouais, c'est une épreuve importante, c'est un examen important aussi, le brevet. Courage, en tout cas, courage à vous. Hein, je sais que c'est pas évident pour les études. C'est une année, 2020, ça serait une année à vite oublier. 2021, j'espère qu'il y aura un mieux quand même, hein, mais je suis sceptique. Je suis sceptique quand même. Hein. Faut garder l'espoir que ça aille mieux, mais comme c'est parti là, voilà. Ça va pas être facile pour tout le monde.
Attendez. Je suis dans le maïs là. Voilà, en tout cas, faut s'accrocher. Hein. Accrochez-vous, c'est important. Je sais que on critique beaucoup les jeunes. Hein. On regarde les actualités, on dit « Ouais, mais les jeunes, ils font n'importe quoi, ils font des soirées, ils font ceci, cela. » Bon, j'ai pas trop polémiqué sur le sujet, mais j'aurais pas voulu être dans une époque comme la vôtre, au moment des quand il y a des études comme... voilà, j'aurais pas voulu parce que ça doit être vraiment angoissant. On sait très bien que les études c'est important pour vous, pour votre avenir, et c'est ça qui me fait peur, franchement, pour l'avenir des jeunes. J'ai une crainte là-dessus, hein. Voilà. Même vis-à-vis général, hein, quand on voit qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont malheureusement dû fermer, parce que il y a financièrement les sociétés s'en sortent plus. Du moins les petits commerces, tout ça. C'est un sujet délicat à discuter, mais voilà, je vais pas m'éterniser, mais je donne un petit peu mon point de vue. Ça va être la galère. Ça, franchement, les années qui vont arriver là, ça va être une grosse galère. Voilà. J'espère qu'on s'en sortira en tout cas. Je peux pas. Ah, fabriquer des surins. Ah, je peux pas malheureusement. C'est dommage que j'ai plus de surins. Dommage, Masto. Fabrique des surins. Non, j'ai pas le nécessaire. Il y a ça, mais je suis un petit peu dans la galère là. On va voir. Ah, c'est dommage, ouais, le suret, mais c'est là qui est bien utile, on va dire. Hein. Bien, bien utile. Non, toi, tu peux pas me voir là, c'est pas possible. Alors, attendez, est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux? Mia! C'est une embuscade! Je crois que ça venait de ce côté! Ah, il y avait quelqu'un! Sérieux? La fugitive est ici, avec une wall. Trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. J'ai voulu y aller au point, en fait. Hein. J'ai voulu faire du Rocky Balboa. Et puis, non, ça n'a pas marché. Vu le gabarit, on dirait une catcheuse, on va dire, hein, voilà, elle m'a mis au sol, avec, bon, bah, on a essayé, on a tenté, bon, j'ai pas bien joué, je trouve, j'avais pas vu qu'elle était derrière moi, en plus, hein, je l'ai pas entendu arriver, ouais, le gabarit, c'est un monstre, hein, c'est un monstre, alors, bien que j'aurais pu peut-être faire autrement, ouais, j'aurais peut-être dû choisir autre chose au niveau de l'arme, prendre plus ça, peut-être, ou ça, je sais pas, on recommence, hein. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que je... Bon, c'est pas grave, on va recommencer, c'est pas grave, on va faire comme d'habitude, on va essayer de... Parce que le problème, c'est que quand t'as pas de surin, tu peux pas les attaquer de dos. Ça, c'est... tu peux utiliser que l'arme. On va me faire repérer, là. Comment veux-tu qu'il me repère là-dedans? Même moi, je vois pas où il est, l'ennemi. Je vois pas où il est, en fait. Alors, attends, si j'utilise ça. On va essayer peut-être d'utiliser l'arbalète, peut-être, pourquoi pas. Hein, on va essayer ça. Ah, ils sont à deux. Quoi? Mia! On se fait attaquer! Ah, elle m'a vu! Elle m'a vu! Attendez. On se disperse. Ah, elle est pas morte! Là, mais vous rigolez! J'en ai abattu un! Mais vous rigolez! De moment, elle aurait déjà dû mourir la première fois! Hein. Ils sont où? Ils sont passés où? Je les vois pas! Je ne les vois pas! Ils sont où? Ils sont passés où? Justement! Ah! Qui c'est qui me tire dessus là? Non, mais vous êtes sérieux? Je vois même pas de où qu'elle me tire. Ah, c'est toi. C'est toi qui me tape. Oh, dommage. Oh, c'est dommage. Mais c'est dommage. J'ai pas vu de où il me tirait, en fait. Je suis pas assez... j'observe pas assez bien les alentours. Je bouge pas assez de caméra. Et pourtant, j'étais planqué. Je comprends pas. J'étais planqué dans les maïs.
Ouais, c'est du maïs, je pense, hein. Je pense que c'est du maïs. Bon, on recommence, les amis. C'est pas grave. On a le temps. Jusque 13h. Ah, la petite arbalète va bien m'aider, là. Allez. Si je peux l'avoir comme ça. Wow, joli. Oh, quel tir. Oh, je suis surpris du tir. Mais non, mais c'est pas possible qu'il puisse m'entendre avec une arbalète. Je suis désolé. Ouais, ils sont nombreux. Ouais, c'est quoi ce délire? Ils sont trop nombreux, hein. Elles sont beaucoup trop nombreux, hein. Je sais pas comment ils font. Comment ils ont fait pour me repérer. Allez, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Bienvenue aux arrivants, bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue sur le live. On est dans la difficulté, là, de pas se faire repérer. Pas simple. Pas si facile que ça. Là, je me suis un petit peu éloigné parce que vous voyez, ils sont vraiment tous regroupés là-bas. Et on va essayer d'utiliser soit le sniper ou soit l'arbalète. Je ne sais pas encore. J'hésite. L'arbalète. Non, il est passé où? Il est là. Attendez. Mais bouge pas si vite, toi. Oh, yes. Je l'ai eu. Voilà, c'est ça qui est bien, hein. C'est avec l'arbalète, c'est... Je suis bien content d'avoir mis une lunette. C'est discret, ça fait pas de bruit. Et c'est pas mal. Quand on tire bien, hein, au niveau de la tête, bien sûr. Hein. Ils sont où? Ils sont passés où? Là, franchement, s'ils me voient là, je comprends pas. Hein. Je comprends pas du tout. Alors, désolé, je vous ai un petit peu abandonné sur le chat. Parce que là, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Et re-Kenny. Là, on est un peu loin, là. Donc, je vais essayer de voir pour m'approcher d'eux. Et les éliminer vraiment en mode discret. Ouh, il y en a encore un, là. Baisse-toi. Ah ouais, mais si ça bouge par contre, ça va être compliqué. Ah, j'allais tirer. Ah, je l'ai pas eu. Ouais, vous êtes sérieux? Je pense qu'au niveau de l'arbalète, au niveau de la distance, faut pas être trop loin à mon avis, hein. Faut pas être trop loin, je pense. C'est ça qui est dit, hein. Ouais, je pense qu'au niveau là, j'étais beaucoup trop loin. Alors, bon, c'est bien, j'ai été peut-être... j'ai peut-être utilisé une flèche inutilement. Bon, c'est pas grave, je le sais maintenant. Ça sera à moi de faire être prudent, bien regarder au niveau de la distance. Vous voyez, là, je peux l'utiliser, si je veux. Ah non, c'est pas possible qu'il puisse me voir là. Hein. Moi, s'il me voit là, c'est pas normal. Hein. Ah, ici, regardez. Allez, c'est bon. Comment il m'a vu là? Ah, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Ouais, ça a l'air bon là. Apparemment, on dirait qu'il n'y a plus personne. Ça me paraît correct. On a fait le grand nettoyage. Ça a l'air de passer. Ouais. En tout cas, bien efficace cette arbalète avec la lunette. Hein. C'est une arme discrète. Parce que c'est une arme que je n'utilisais pas du tout. J'arrivais pas du tout à viser au niveau de la tête sans la lunette. Là, maintenant, je vais pouvoir me faire plaisir avec ça. Alors,
Ça me paraît calme, apparemment ça a l'air d'être bon. On va essayer d'avancer dans la petite grange qui se trouve là-bas au bout. C'est de rester quand même en position accroupie. Voilà. Je pense qu'il y a des bots qui sont arrivés sur le live, Kenny. Tout à l'heure, j'ai eu des time out, là, je sais pas. Ils parlaient de following, je sais pas trop quoi. Enfin, ils se sont pris un time out tout à l'heure. Je sais pas s'il y a eu des changements au niveau de Twitch et ils commencent à avoir des bots. Si toi, t'as eu le tour du fait que tu stream également. Je sais pas si tu stream encore beaucoup ou pas. Je sais pas si t'as eu le tour. Ça a l'air d'être des étrangers, hein, voilà. Je sais pas si t'as eu le tour, Kenny. Sur notre gauche, il a une lame. Ah, sur la gauche. T'as rien pour l'instant, d'accord. Ah bah c'était tout à l'heure alors, peut-être. Ils sont peut-être partis. Ah ouais, mais lui, c'est pareil, je peux pas le... Ouais, mais là, je vais faire du bruit, là. C'est bruyant, hein. Malheureusement, il n'y a pas de silencieux. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça, peut-être utiliser plus le pistolet. Bon, il est trop tard, c'est fait. Il n'y a pas de questions à se poser, c'est fait. Voilà, les ennemis, ça commence à diminuer, mais il y a encore cette fameuse musique. C'est qu'il y a encore du danger, en fait. C'est encore qu'il y a encore du danger quelque part. Alors, il va les repérer. Voilà. Allez, encore un petit quart d'heure. Et à 13h, je stoppe parce que j'ai ma femme qui va rentrer du boulot. Prendre le repas, hein, après le repas assez rapidement au taf. Donc, voilà, faut pas que je traîne de trop. Donc, cet après-midi, je ne pense pas streamer. Je ne crois pas. Ça sera plus du repos, hein. Voilà. Je vais peut-être tenter un petit live via la Xbox. Je devais le faire hier après-midi, mais j'étais pas trop bien hier après-midi. Donc j'ai rien fait du tout. Donc j'ai pas streamé hier. Faut que je teste la Xbox en live. Faire des lives avec la Xbox parce que j'ai acheté Assassin's Creed Valhalla sur Xbox. Et j'ai pas encore testé. En fait. J'espère que je serai pas embêté que ça. J'espère que ça passera. On verra bien. Tu penses qu'on stream aussi de nouveau? Bah ouais, bah moi c'est pareil. Hein. Il faut faire selon. Après, je sais que ton boulot c'est pas évident. Je sais que t'es pas mal pris avec ton boulot. Mais il faut pas arrêter complètement. Voilà, si tu prends tout le temps du plaisir à streamer, faut continuer. Même s'il y a moins de monde, si les gens ont un petit peu quitté le bateau, on va dire. Il y en a pas mal que je ne vois plus. Ils se sont même une follow. Hein. Il y en a pas mal qui se sont une follow aussi. C'est comme ça. Hein, que voulez-vous? On va pas essayer de savoir pourquoi ils l'ont fait. Ne pose pas de questions. Ça sert à rien. Voilà. Là, j'ai vu Kenny, ouais, sur le Discord. Hein. J'ai vu sur le Discord que tu bossais pas mal. Ah, Need for Speed. Ah, d'accord. Ah, c'est un bon petit jeu. Bon petit jeu, les Need for Speed. Après, ça dépend. Voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais il est sympa. Il est sympa pour te détendre. Ouais, un jeu de voiture de temps en temps, c'est bien. Il y a longtemps que j'ai pas fait du Forza aussi. Il faudrait que je me remette sur Forza, moi. J'adorais jouer sur Forza. Ouais, je m'y remette, mais le problème, c'est que là, ça va être compliqué avec Valhalla qui va arriver. Je vais être à 100% sur ce jeu. Hein. Ouais, c'est un jeu que je vais explorer dans tous les sens, on va dire. Voilà. Alors, je ne l'ai pas pris sur PC, j'aurais pu le prendre sur PC. Moi, je l'ai pris sur console, juste pour une question de confort, voilà. Ma console est dans mon salon, et je serais mieux dans mon salon que dans ma pièce informatique. Parce que on sait très bien que ces jeux-là durent très longtemps. On en a pas pour 40 heures hein, sur la licence Assassin's Creed. Ah bon, pourquoi on dort? Donc, c'est les jeux qui vont durer longtemps. Donc, entre deux, j'y jouerai. En dehors de Twitch. Je ferai pas comme The Last of Us. Hein. Je vous avais promis, j'ai dit The Last of Us, je le ferai voir complètement en live. C'est ce que je fais.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas encore terminé. Je l'ai quand même démarré en juillet. Hein. Il n'est pas encore fini. Mais Assassin's Creed Valhalla, non, je vais procéder autrement. Voilà. Parce qu'il faut que j'avance dans le jeu. Il n'y a pas. Hein. C'est pas un jeu que je vais finir au bout de 2 heures. Hein. Voilà. Ah, il paraît qu'il est bien, Kenny. Ghost of Tsushima, il paraît qu'il est bien. Il est plutôt sympa. Graphiquement, il est joli. J'ai vu quelques lives aussi sur ce jeu. J'ai passé vite fait voir un petit peu ce qu'il valait, ce jeu. Il paraît qu'elle est super bien. 2 mois pour le finir. Ah oui. Ah, ça, c'est des bons jeux, ça. Ça, c'est des bons jeux. C'est des jeux que tu payes, 60-70 euros, mais tu sais que t'en as pour un moment, quoi. Et ça, c'est bien, moi, je trouve. Voilà. Ah, je te cache pas qu'il m'a... Je serais intéressé de le faire, un de ces quatre, hein. Mais bon, vu que je skim de moins en moins, franchement, je vais pas vous cacher qu'au niveau de l'achat des jeux, j'en ferai pratiquement pas. Avant, j'aurais acheté vraiment... j'aurais précommandé Cyberpunk, j'aurais précommandé Call of Duty, j'aurais pris Valhalla, notamment. Mais maintenant, je me limite parce qu'en fait, je peux pas savoir... je peux être très bien aujourd'hui et le lendemain être très mal. Donc, j'investis plus dans les jeux comme avant. Voilà, c'est surtout ça. Bon, je préfère plutôt me consacrer sur un seul jeu plutôt que d'en faire plusieurs, quoi. Parce que je sais très bien que je ne les finirai pas. Ça ne sera pas possible pour moi. Ah, 2-3 items, d'accord, en collection. D'accord. Limite, il y a également, car plus le temps... Oui, bah oui, c'est normal. Hein. Moi, j'avais envie de dire le temps, je l'ai entre guillemets, sans l'avoir, mais... c'est vrai que j'ai quand même un peu plus de temps libre par rapport à toi, hein, moi, voilà. Mais c'est la santé qui me gâche tout, quoi. C'est ma fameuse santé qui fait que je peux plus streamer comme avant, voilà. C'est fini les longs lives de 3-4 heures, hein. Ça c'est terminé pour moi. Hein. Je fatigue très vite. Alors, est-ce que je peux l'avoir? Il y a peut-être moyen de l'avoir ici. Ah, je l'ai eu! Ah, j'ai pas eu, attendez! Non, je l'ai pas eu! Je l'ai eu, yes! Superbe! Mais non, elle est pas morte! C'est pas normal, ça! C'est pas normal, je pense que j'ai tiré à côté. Je vais peut-être devoir bouger. On va bouger, reste pas là. Je pense que tu t'es... Ah, je suis bloqué. Ouais, je suis bloqué. Je peux plus sortir. Ah, ils étaient plusieurs, d'accord, Kenny. D'accord. Ok. Ouais, ils ont tendance à se ressembler. Hein. Malheureusement, ils ont tendance un petit peu à se ressembler. Alors, attendez. Comment je vais faire? Ah, puis j'ai plus de flèches. Est-ce que je peux en fabriquer ou pas? Est-ce que je peux fabriquer des flèches? Non, je peux pas. Ah, dommage, j'ai pas de surin. Parce que le surin est bien inutile pour faire les attaques furtives. Voilà, on va aller dans les maïs. Heureusement qu'il y a ce fameux champ de maïs pour se cacher. Hein. Ah ouais, le surin est utile. Hein. J'en ai pas fabriqué, j'ai fabriqué autre chose à la place, j'aurais peut-être pas dû. Alors attendez, il est où lui? Le problème, c'est que là, j'ai pas... Il n'y a plus qu'une flèche, je vais pas terre à la louper celle-là. Elle bouge! Ah si elle bouge, c'est mort pour moi. Hein. Elle a bougé, mince, j'aurais peut-être dû tirer. J'ai trop hésité à tirer. Allez, c'est bon.
La dernière flèche, elle a été mise au bon endroit. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a là? Ah, je vais peut-être pouvoir aller là-bas. Il en reste deux, apparemment. Eh, franchement, c'est un bon petit passage. Ouais, franchement, là, je prends du plaisir. Bah, comme d'habitude, on va dire, hein, dans ce style de jeu. Faites attention. Il va me voir, là, non? Allongé. Allez, on va prendre le... Ah, j'ai pas d'angle de tir. Pas d'angle de tir, hein. Je suis un peu loin. Hein. Je suis un peu loin, donc c'est pas la peine. C'est qu'un pistolet, hein, c'est pas... Voilà. Sympa, ce passage. 12h52, allez, on va essayer de le finir quand même. J'ai pas trop débordé. Écoutez cette musique. Cette musique nous met la pression. Ah, on va se servir. Hein. Ouais. pour moi, j'ai quitté à côté, j'ai tiré à côté. Hein. Franchement, je pense que j'ai tiré à côté, je l'ai quand même eu. Bon, ça va. Je pensais pas l'avoir comme ça, mais bon. Tant mieux pour moi. Pour moi. Un ennemi en moins. Eh, ça commence à diminuer là. Allez, on a des flèches ici, regardez. Voilà, on va réutiliser l'arbalète. Regardez, hop, des cartouches. Fusil à pompe. Superbe. C'était quoi ça? Attendez, j'ai pas fait attention. Ah, ici. J'avais pas fait attention et j'avais bien vu quelque chose qui brillait. Pour l'instant, le pompe, on laisse tomber. Voilà. Ça paraît pas mal. On n'est pas trop mal pour l'instant. Allez, on y va. Je sais pas où je dois aller. Je n'en sais rien. Ah, peut-être là-bas où il y a la lumière, peut-être. Ouais, on va continuer à avancer. Bon, ben, il y a l'air d'avoir... Ça a l'air d'être bon, hein. Allez, on va passer sur ça. Je pense qu'il faut traverser le village, il me semble, hein. Ça me paraît bon. Pour l'instant, tout se passe bien. Oh, on en a un ici. Oh, juste là. What? Bouge. Purée. Ah, mais elle me gêne. C'est pas vrai. À chaque fois, je te mets tout le temps devant moi. Allez. Mais tire. Faut faire quoi? Ah, faut pas le tuer. D'accord. Ah, ça fait partie du scénario. Hop. Oh, le bug. Oh, regardez le bug. Oh, bug graphique. Excellent. Regardez. Elle est complètement coincée dans le bois, tout simplement. Ah, j'ai adoré, c'est dommage. C'est excellent ça. Oh, le bug graphique. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Moi, je pense que j'ai fini. Bah, c'est impeccable, je vais pouvoir stopper. Ça tombe super bien. On va sauvegarder quand même. Allez, par précaution, pour pas se tromper. On va sauvegarder ici, voilà. Oui, voilà. Ah, un beau petit bug. Hein. Ouais, bon, ça arrive. Hein.
arrive. C'est sympa, hein, sympa de voir des petits bugs comme ça, ça. Bon. Bon, on va avancer. Allez, encore 4 minutes, je stoppe. On va quitter cet endroit-là. Très sympa ce passage. Super sympa le passage-là. Là, on était dans un... Il y a des moments où il faut y aller en mode sauvage, barbare, et des moments où il faut y aller vraiment en mode discrétion. Voilà, et c'est vraiment génial. Voilà, moi, je vais couper, les amis, je vais... Pas vraiment. Ah, elle doit souffrir, en plus, on a dû lui couper sa main. Elle doit souffrir énormément. Voilà, moi, je vais vous laisser. Merci encore à tous d'être passés sur le live. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne pense pas reprendre cet après-midi. Je crois pas. À mon avis, on verra bien. Je ne promets pas de stream cet après-midi. Moi, ça sera plus du repos. Je ferai peut-être un petit essai cet après-midi sur la console, mais vite fait. Faire quelques tests avec la console parce que à partir de mardi, il y aura du Assassin's Creed Valhalla. Ah, j'ai reperdu des follow. C'est cool. Merci pour les gens qui me follow. C'est sympa. Moi, je dis merci à ça parce que ça fait que ça, en fait. Les gens, je comprends pas, en fait, quel est l'intérêt d'aller follower et après une follow. Je ne comprends pas, mais c'est leur choix. C'est comme ça. Voilà. On peut pas savoir ce qu'ils pensent ou pour quelle raison ou autre. Voilà. Allez, c'était le petit message de fin de ce live. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment, comme d'habitude. Hein. Moi, je prends du plaisir. De restreamer à nouveau. J'ai passé encore un bon moment. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents surtout. Voilà, protégez-vous bien. Faites attention à vous et à vos proches avec ce qui se passe en ce moment. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, bisous. À plus tard. Ciao. Bye bye. Bisous. Bye bye. À la voyure.